Aujourd'hui, il y a Mathieu Slama qui va défendre le Rassemblement national. On va l'écouter, c'est assez bizarre. D'abord, je crois que moralement, il est très important de fixer, quand on est de gauche, un principe de base qui est on ne vote rien, et quand je dis rien, c'est rien, quel que soit le sujet, qui vient du Rassemblement national, qui vient de l'extrême droite. Pourquoi? Parce que c'est un principe moral, la politique c'est aussi de la morale, et que l'extrême droite est un parti anti-républicain, est un parti dangereux, c'est un parti qui défend des mesures de haine, qui défend une idéologie haineuse, et que le Rassemblement national ne fait pas partie du camp républicain, et que à partir du moment où il y a un parti qui n'est pas dans le camp républicain, on ne vote rien de ce qui vient de lui. Donc le Rassemblement national fait passer des votes de haine anti-républicaine dangereuses, ok? Deuxième chose qui me semble très très dangereuse dans cette stratégie, c'est que en votant un texte qui vient du Rassemblement national, on donne une victoire immense, gigantesque au Rassemblement national, qui va se présenter face au peuple comme le parti qui a supprimé la réforme des retraites, la réforme honnie par 80% des Français. 90%. Et donc récemment, le Rassemblement national a commencé à déposer des lois pour abroger la réforme des retraites. Et Mathieu Slama a peur qu'on accepte cette loi et que le Rassemblement national passe pour des gentils. Donc là, il y a un problème. C'est-à-dire que le Rassemblement national fait des lois remplies de haine, mais les lois officiellement que le RN fait passer, c'est des lois que tout le monde veut, que tout le monde veut voter, mais... Ah, c'est le Rassemblement national quand même, donc c'est compliqué. Donc je comprends pas, Mathieu Slama, est-ce que les lois du RN sont remplies de haine, ou est-ce que les lois du RN, au final, c'est pas un peu ce que tout le monde veut? Plus de 90% des actifs, Des ouais, des actifs. actifs, et oui. Voilà. Et donc, en fait, en votant ce texte, non seulement on se compromet moralement, gravement, et deuxièmement, on donne une victoire institutionnelle, politique, morale au Rassemblement national qui se servira de cette victoire pour se présenter comme un parti de gouvernement, comme un parti social, et comme un parti qui, finalement, peut gouverner avec d'autres partis politiques, et ça permettra enfin au RN de se dédiaboliser définitivement, complètement, en montrant, voilà, on est un parti républicain comme les autres, on propose une loi, elle est votée. Mais oui, Mathieu Slama, si le RN propose des lois que tout le monde veut voter et que du coup le RN se dédiabolise, c'est peut-être parce que le RN c'est pas le diable et qui justement ils font des lois républicaines. Donc je comprends pas. Est-ce que Mathieu Slama défend le Rassemblement national? Il explique d'un côté que les lois du RN sont trop bien, mais il faut pas voter parce que c'est quand même le RN, ils sont méchants. Et d'un autre côté, il nous dit que les lois que vote le RN, c'est le diable. Sois en accord avec toi-même, Mathieu Slava, à un moment donné. Bon. Là, c'est une sorte de meeting avec Mathilde Panot, députée LFI que tout le monde connaît. Et puis, ils font la petite chanson du anti-tutti fascisti, là. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Mais quelle bande de golems, sans déconner. On devrait mettre des vrais fachos en face d'eux. Vous savez ce qu'ils faisaient, les fachos, en 1939? Ils mettaient des gens dans des chambres un peu spéciales pour aller tuer des gens par paquets de milliers. Vous n'êtes pas des révolutionnaires. Vous êtes des gauchistes, des lycéens, vous comprenez même pas ce que c'est un fasciste. Arrêtez de vous prendre pour des révolutionnaires! Bordel! Là, on est à Marseille, et il y a des centaines de personnes qui manifestent suite à la mort de Yahya Sinouar, le chef du Hamas. Bah, du coup, l'ancien chef du Hamas. Parce qu'il y a beaucoup de chefs du Hamas qui meurent. Du coup, il y a un nouveau mec qui prend la place de chef du Hamas, qui meurt aussi. Du coup, il y a encore un mec qui prend la place de chef du Hamas. Et du coup, à chaque fois, les insoumis manifestent parce qu'ils sont pas contents que des chefs d'organisation terroriste soient faits tuer. Macron, Vous
remarquerez à chaque fois que ce sont des lycéens qui ont entre 15 et 20 ans, hein, dans les manifestations de gauche. Parce qu'il faut vraiment rien comprendre à la géopolitique pour aller perdre ton temps à manifester pour ça. Hein. Là, j'ai pas trop compris, c'est Bernard Guetta, qui est membre du Parlement européen, qui nous explique qu'il y a une récompense à venir, c'est le prix Sakharov. J'ai mis la définition ici. Le prix honore les personnes, les groupes et les organisations qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la défense de la liberté de penser. Et là, il va nous parler de politique. Parce qu'en fait, Elon Musk était un candidat très sérieux, mais parce qu'il est de droite, il a été disqualifié. Et ce que je comprends pas, c'est le rapport entre le prix et le fait qu'Elon Musk est de droite. On s'en fout qu'il est de droite ou de gauche, c'est un prix. Le mec qui gagne le prix, il a gagné le prix, point. Bien voilà, c'est une grande joie, une grande satisfaction que je voulais partager sans attendre. Nous avons voté, la commission des affaires étrangères et la commission développement ensemble, et Elon Musk ne sera pas l'un des trois finalistes du prix Sakharov. Elon Musk avait été désigné comme par l'extrême droite. Parce que oui, pour être fan d'Elon Musk, il faut forcément être d'ultra méga droite. Comme leur candidat, eh bien cette honte, parce que c'eût été une honte, a échoué. Le Parlement européen ne sera pas humilié par l'extrême droite. Donc là, comprenez bien l'ironie du truc. On parle d'un prix qui récompense la liberté de penser. Et les mecs, ils font quoi? Les organisateurs du prix qui récompense la liberté de penser, ils cancellent un mec parce qu'il n'a pas les mêmes opinions politiques que lui. Et ces gens-là vont remettre un prix de liberté de penser. Il y a un problème là. Il y a un très gros problème. Et du coup, Elon Musk méritait ce prix parce qu'il a quand même racheté Twitter à 44 milliards de dollars pour redonner à tout le monde leur liberté d'expression. Et ça fait beaucoup chier le gouvernement. Mais non, Elon Musk de droite, donc il n'a pas le droit d'être récompensé pour sa liberté de penser. Donc on va faire de l'obscurantisme, le cancel, ne pas le laisser s'exprimer. Et là, c'est la liberté de penser, voilà. La liberté de gauche, c'est trop bien, la liberté de gauche. C'est terrifiant. Imaginez la gauche au pouvoir. Tous les gens de droite seront absolument rayés de toute forme de médias. En passant par la télé jusqu'à YouTube, TikTok et Twitch. Hein. Préparez-vous. Là, on est à Rennes. La gauche vole au secours de trois étudiantes d'ultra-gauche ayant perdu leur logement étudiant après avoir causé 38 000 euros de dégâts lors d'une mobilisation pour un migrant clandestin. Et d'où tu te permets de manifester pour garder ton logement alors que t'as causé 40 000 euros de dégâts? Vous êtes fous en fait. La raison? Avoir pris part à l'occupation des locaux du siège du Crous, place Hoche, à deux reprises en novembre 2023 pour aider un étudiant en situation de handicap, malade et sans papier. 38 000 euros de dégâts. Les portes ont été forcées, causant près de 38 000 euros de dégâts hors taxes. Donc avec les taxes, c'est 50 000. Hein. Précise Maître Marie, avocate du Crous Bretagne, qui justifie aussi ce choix de refus par la publication de posts diffamatoires sur les réseaux sociaux et sur l'un desquels il est possible de reconnaître l'une des employées du Crous. Donc il y a diffamation. Ainsi, dans un mail adressé aux étudiantes militantes à la FSE, en mai, le Crous considère qu'elles n'ont pas respecté le règlement intérieur applicable dans les résidences universitaires, mais aussi dans ses autres bâtiments, et a décidé de rejeter leur demande de renouvellement de location ou d'attribution d'un logement faite en mars. Bah oui, meuf, tu peux pas saccager le Crous et derrière dire le Crous, s'il vous plaît, je voudrais un logement. Bah non, tu dégages en fait. Gauchiste. Bon. Oh, Street Press, qui défend les étudiants. Ça n'est jamais arrivé que trois camarades se fassent virer de leur logement pour une action. Alors ton action a causé 40 000 euros de dégâts. On n'a jamais vu une telle répression. Oh, c'est de la répression. Pauvres victimes. Des étudiantes virées de leur logement Crous pour avoir manifesté.
Et du coup, il y a plein de gauchistes qui les défendent, mais ils ont pris une note de la communauté parce que grâce à Elon Musk, qui a été cancel du prix de la liberté de penser, tout le monde peut mettre une note de la communauté pour débunker les fausses informations des gens de gauche qui font que de mentir à longueur de temps. Street Press omet de dire que les étudiants ont causé 38 000 euros de dégâts. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker et commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut !